Yep, alors comme vous pouvez le voir juste là, on est dans un petit bol à Newsom qui est situé à 5 minutes de la ville de Ederfield. Je m'en souviens plus exactement du nom. Donc du coup, ce bol, je crois que c'est la première fois que je vois un bol autant enfermé et autant dans la nature. C'est un truc de dingue. Pour le trouver, il m'a fallu bien une heure. Vous pouvez le voir, il y a un peu d'eau parce que justement, le skatepark est complètement renfermé. Et il y a énormément d'arbres, du coup, il n'y a pas énormément de chaleur qui rentre, donc c'est un peu mouillé. Mais ça ne va pas nous empêcher de rouler. Bon, ok, on va commencer gentiment. Je vais faire un petit buzz ici. Ah, maintenant, je vais faire. Là, en sortie, ça fait un plank. Bon, c'est un gros plank, mais ça fait un plank. Je vais essayer de sortir en off-foot can-can. Bon, voilà, petit no-foot can-can. J'adore ce trick. C'est no-foot can-can, c'est un truc cool. Et puis là, ça fait un peu comme un plank. Je l'avais jamais vraiment mis en plank, en sortie de plank. Ah, maintenant, je vais faire 180 boss, half cap 3-6. Donc là maintenant on va faire un whip ici. Bon voilà, petit whip. Bon maintenant on va changer un peu. Je vais dropper ici en 3-6. Alors j'en ai jamais fait. Les 3-6 drops j'en avais fait sur des tout petits planks il y a longtemps. Mais là j'en ai jamais fait sur des gros planks. Enfin des gros planks. J'en ai jamais fait encore sur de trop gros planks. Puis c'est pas un truc que je maîtrise, donc on va essayer de l'apprendre. Bon voilà, le 3-6 drop, je suis content de l'avoir mis rapidement. Bon, j'avais déjà mis sur des tout petits planks, mais pas sur... Là, c'était à peine plus grand, puis je suis pas non plus hyper à l'aise en bunny 3-6. Maintenant, je vais faire une ligne. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit gap à ce niveau-là. Je vais faire 180 normal, bunny 180 en gap, et dropper en 3-6. Bon voilà, j'ai légèrement freiné sur le drop 3-6, on entend un petit couinement de frein. Mais voilà, le petit trick street de la journée. Donc là maintenant on va faire un petit table. Ok, donc là on a une bonne pyramide, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire full jam whip ici, je reviens et ensuite 450. Allez, c'est parti. Maintenant, on va finir par un dernier trick qui est assez cool à faire, que j'ai appris, super rapidement. C'est crank flip. Et là, je vais essayer de le faire sur la sortie plank. Je sens que je vais en chier. Je vais vraiment en chier à le mettre dessus. Yo, oh. Bon, bah voilà, petit crank flip. C'est rien du tout à faire, c'est tout con. Mais je l'avais appris avec des streeteux la dernière fois et ça m'avait amusé d'en faire. Et donc du coup, je trouvais ça cool d'en faire un sur une sortie de plank. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. N'oublie pas, tu peux toujours bénéficier de 10% de réduction sur le site OK Closing.